Hey, bonjour tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de Sims Mobile. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à quelque chose que je n'avais pas prévu au programme. Pardon, je suis encore en train de lutter contre mon microphone, s'il veut bien venir ici. Ouais, donc en fait, on avait participé. Donc il n'y aura pas de nouveau personnage pour le moment. Mais en fait on va s'attaquer à quelque chose de très basique qu'on a pu voir. Mais c'est vrai qu'il faut le faire, c'est les histoires. Voilà, par exemple avec Isabella, j'avais commencé une histoire, donc j'en ai deux. Par contre, étant donné que David Petit n'est pas là, donc on va continuer, on va faire le béga secret, puisque nous sommes juste amis. Donc au moins ça va permettre de voir un peu ce qui se passe. À mon avis, c'est pas quelque chose de oufissime, puisque il est où? C'est lui, je crois. Bah je sais pas c'est lequel. Je dirais lui. Allez, on va appuyer sur lui. Donc l'événement social débute. Je rebaisse le volume. Donc c'était pour voir. Hein. C'est vrai que j'avais parlé de pause, mais bon, au moins on verra ce que ça fait. Je ne sais pas si je vais tout faire l'histoire, mais en fait, une fois que vous avez fini cette histoire, vous débloquez des vêtements ou des petits trucs comme ça. Donc pour l'instant, il n'y a pas de mise à jour qui a été fait. Le jeu est toujours prévu, donc on m'a dit, pour printemps 2018. Donc je peux dire que vous allez patienter. Mais de toute façon, voilà, je voudrais vraiment avoir cette ville débloquée. Malheureusement, on peut pas. Donc voilà, c'était juste vraiment pour vous montrer un peu l'histoire. Donc à mon avis, c'est des événements qui doivent s'enchaîner. Donc ça n'a rien de transcendant. Je veux dire, de toute façon, ça revient au même qu'avant. À part que là, vous avez une petite histoire qui commence. Et vous avez des petits textes, en fait, qui s'affichent au bout d'un moment. 23 sur 30, tiens. Ça a été augmenté, on dirait. Ou alors c'est parce que ma sim s'est reposée. C'est bien possible aussi. On va voir ça. Je vais essayer de finir l'événement qui, je l'espère, va déboucher sur quelque chose de très positif entre eux. Donc c'est un béguin secret que j'ai voulu commencer. Donc là, ces quatre, on dirait qu'ils ont rectifié aussi le nombre, comment dire, d'énergie pour les besoins, en fait, pour les prises de risque. Regardez, si j'appuie, on est à 5 là, par exemple, vous voyez 5 et l'autre c'était 4, donc du coup je trouve que ouais, c'est vraiment pour enchaîner. Donc on a réussi notre coup. On va voir. Ouais, bravo, juste pour rire. Non merci, j'ai pas envie de voir ça. Est-ce que ça va faire quelque chose à notre relation ou pas? Je suis là comme un rouleau quoi. En gros il se passe que dalle. Peut-être parce que je me suis trompé dans l'événement. Ah, c'est ça. Devenir béga, pas si secret. Mais je l'ai même pas vu tout à l'heure. Oh, quel noob. Bon, on a de la chance, les amis. Je vous ai fait un événement en plus, en bonus, ce qui n'était pas prévu. Du coup, on va voir là. Donc là, on commence l'événement. Donc vous avez discuté, partagé une histoire intime. Et donc, on avait vu aussi qu'il y avait plusieurs histoires, hein, bien sûr, selon que vous allez interagir avec le Sims. Vous allez débloquer un choix en fait à faire entre les deux histoires, soit plus de l'amour, soit un béguin secret. Voyez que qu'on fasse ça le plus secrètement possible, mais ça reste du classique événement comme je le dis. Hop, on va écouter la musique. Mais je crois que je vous avais montré, je sais plus dans une vidéo si j'avais montré, je crois que j'avais fait des pré-enregistrements. Le problème c'est que je crois que j'ai dû faire de la place dans mon téléphone et du coup j'ai tout perdu. Mais c'est pas grave, on va décompresser. Il m'a l'air que c'est plus lent aussi de faire ça, de se faire les événements d'histoire. Il y a l'air qu'il n'y a pas de prise de risque, du moins pour le moment. Hop.
Et ouais. Donc dans les jours qui viennent, il y aura le bilan, je pense. C'est vrai que là, on peut faire vraiment un bilan. C'est pas. Je pense pas qu'il va y avoir des gros rajouts. Ah, ça y est, prise de risque. Alors attendez, on va d'abord refaire ça. Ouais, on peut aller jusque 30 maintenant, il y a l'air. Ouais, tous c'est comme ça. Donc ouais, c'est pas mal ça par contre. Allez, dis-moi que t'as aimé. Yes. Alors, c'est bloqué? Ça bug? Voilà, c'est débugué. Bon, on avance pour le petit béguin secret. Donc là, vous voyez, 4. Donc ouais, c'est pas mal, là, la prise de risque modifiée. Donc moins d'énergie. Donc là, on a réussi, encore une fois. Je vais aller la mettre au lit. Comme ça, on va regagner l'énergie. On a gagné 2 étoiles. Par contre, j'espère que j'ai un cupcake bien planqué, là. Parce que je pense pas qu'on va aller jusqu'au bout. Et ça, c'est dommage. J'ai merdé mon coup, excusez-moi de le dire ainsi, mais je l'ai vraiment merdé au début. Du coup, voilà, c'est. Bon, bah, c'est pas grave, ça m'apprendra. On accepte. Donc, je ne sais pas si on fera toutes les histoires. En tout cas, j'en ai une qui a commencé avec David, mais il est plus là. Donc, j'aurais dû regarder, j'aurais dû vérifier. J'ai pas fait gaffe en fait. Que j'avais lancé ça avec lui. Après, c'est pas très embêtant, on pourra recommencer sur d'autres Sims. Ah là, je voudrais vraiment vous montrer. Bah, je vais tout vous montrer de toute façon, hein. Même si l'événement je le finis pas, je ferai une petite ellipse. Vous inquiétez pas. Hop. Bon, bien sûr, j'ai ralenti mon envie de jeu, c'est-à-dire que. Je joue plus comme avant, comme j'ai fermé pour arriver niveau 23. J'ai vraiment ralenti, mais brusquement, le jeu. Faut dire que c'est vrai qu'on a vraiment fait pas mal de tours dessus. Ah, on a échoué? Mais non, on pouvait pas échouer, Francis! Dis-moi que j'ai un cupcake, là. Ah, purée. Je crois pas qu'on ira jusqu'au bout, sauf si j'ai le cupcake, les amis. Je sais pas si la chance sera avec nous. On va le découvrir bientôt. Je ne pense pas. Non. Bah écoutez les amis, c'est pas grave, j'en achète un mode cupcake juste pour vous, j'ai besoin de finir le truc. Voilà. Je pense qu'on va bientôt finir cette partie. Donc vous avez pu le voir, on est au chapitre premier de l'histoire. Je pense que je vais vous faire ça prochainement, ouais, voilà. Histoire d'Isabella, donc. Ah oui, toutes les histoires, voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Donc, je vous l'avais déjà montré, hein. On a donc le béguin secret, pote de sport, ami, ennemi, discussion de geek, coup de foudre, pire ennemi, meilleurs amis pour la vie, et sim bizarre. Et ensuite, vous avez l'amour passionnel. Donc, on va essayer de faire toutes ces histoires. Je sais pas si on y arrivera, mais si on y arrive, bah, tant mieux. Du coup, voilà, ça va essayer. Voilà, c'est pour pas qu'il y ait une coupure, parce que je sais qu'il y a des gens qui veulent voir. Des épisodes de Sims Mobile, même si pour de mon point de vue j'ai tout fait, peut-être que vous voulez en voir encore. Du coup, bah, c'est pas grave, je vais combler avec ça les histoires. Et ce sera sur plusieurs parties. Voilà, en attendant. Alors, est-ce qu'on va finir? Je crois pas. Ah, il manque rien, hein. Il manque un petit poil. On va voir. Voyons voir, donc c'est ça que je vous parlais aussi. Voilà, Isabella. Waouh, nous avons beaucoup de choses en commun. Je croyais que j'étais la seule fille bizarre à regarder cette émission. Quoi? C'est un classique. Et oui, je me suis beaucoup amusée aussi.
Je suis content que tu aies déménagé ici. Donc, chapitre terminé. Le chapitre 1 est finita, les amis. Donc, 2, Béga secret, Béga pas si secret. Tu me plais vraiment. Enfin, je ne veux pas dire que tu me plais énormément. Pas du genre secrètement, comme un vrai coup de cœur. Car ce serait vraiment bizarre. Hein? Oh, waouh! Oublie ce que je viens de dire. Faisons comme si, de rien, si rien ne s'était passé. Waouh! Si tu ne veux vraiment pas en parler, pas de problème. Je ne veux pas te mettre mal à l'aise. Faisons comme si de rien ne s'était passé. Voilà, donc c'est ça que ça inclut, les petites histoires, les amis. Donc, voilà, on va se quitter ici pour cette première partie. Je vous dis à la prochaine pour le chapitre 2. Et surtout, portez-vous bien, sous-soul!